Super Marché Santé Avril, dont le nouveau ici, notre 9e à Saint-Bruno, au Promenade Saint-Bruno. Alain Tanguay, propriétaire aussi. Bon, merci de nous recevoir, de recevoir le Montarvillois chez vous, au nouveau Avril de Saint-Bruno. C'est quoi la petite histoire d'Avril? Quelle est l'origine de ce commerce-là qui est unique, ce supermarché-là unique au Québec actuellement? Ben, Avril, ça a commencé il y a 25 ans. C'est notre 25e anniversaire cette année. Ça a commencé dans un tout petit local de 1000 pieds carrés à Grimby, dans un centre d'achat à Grimby. Et ben, j'ai commencé au tout début. Roland était entrepreneur en construction. Puis moi, ben, je commençais une année sabbatique après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine bancaire. Et ben, c'est ça, j'ai commencé mon année sabbatique. Et après un mois, Roland a découvert la possibilité d'acheter un petit commerce dans le temps du nom de Kilobouffe. Et étant donné qu'on était tous les deux dans un mode d'alimentation saine déjà, un mode d'exercice, on savait quoi faire pour être en forme, en santé. Donc, c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup, ayant déjà ce mode de vie-là. Et j'ai dit, pourquoi pas, diurber comme ça, en attendant de savoir qu'est-ce que je fais de ma carrière. Alors, ça a commencé tout bonnement comme ça, puis finalement, le petit commerce a grandi, puis ça a suscité beaucoup l'intérêt de Roland. Après 2 ans, il s'est joint à moi, puis Roland est un bâtisseur. Il aime les projets, il développe. Donc, aussitôt qu'il est arrivé avec moi, les murs ont commencé à tomber. On a doublé la superficie. Après 4 ans, on a déménagé de local. Puis là, ben, on est tombé. À l'époque, pour nous, c'était une grande surface, dans 16 000 pieds carrés. Alors, on a fonctionné à Grimby pendant 15 ans au centre-ville. Ensuite, en 2007, on a décidé de prendre de l'expansion et d'élargir la chaîne, d'en faire une chaîne finalement. Avec des succursales. Mmh. Notre première succursale, on l'a implantée en 2007 à Longueuil, qui est toujours là, qui fête ses 14 ans cette année. Ah, oui, 15 ans. 15 ans l'année prochaine. Alors, puis c'est une très belle succursale qui vit encore très, très bien. Et ben, c'est comme ça, on a bâti graduellement, d'autres succursales se sont rajoutées. Ensuite, ça a été Brossard en 2010. Ensuite, ça a été Lévis. On a déménagé Grimby, on a ouvert Magog, Québec, Sherbrooke. C'est une belle histoire de succès. Ben, ça va bien, on est des gens passionnés, on adore ça, on aime ça, même après 25 ans, on aime toujours. Mais c'est des nouveaux défis à chaque fois, là. L'expansion vous en crée des nouveaux défis, là, hein? C'est autre chose, là, de partir d'un petit endroit où vous étiez jusqu'à avoir maintenant 9, 10 succursales bientôt. C'est toujours des défis, puis c'est surtout de que la structure suive pour vraiment venir supporter le développement, ce qui est une très grande force de Roland. Lui, il s'occupe vraiment qu'il développe, il bâtit, mais il s'assure que la structure suit également. Donc, il a bâti un centre de distribution en 2018. C'est-tu 2018? Exactement. Oui, 2018, un entrepôt de 120 000 pieds carrés. Puis maintenant, avec bientôt 10 magasins, parce qu'on en ouvre un dans un mois à Montréal. Roland pense déjà à doubler l'entrepôt, en tout cas du moins de l'agrandir. Donc, puis on a développé parallèlement à ça notre site Internet, une cuisine centrale qui est située également dans notre centre de distribution. Donc, c'est Roland qui s'occupe de bien établir la structure pour vraiment supporter nos magasins. Oui, puis son développement. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez choisi Saint-Bruno? Ça aurait pu être le 10-30, ça aurait pu être le Carrefour à Boucherville ou ailleurs. Y a-t-il un élément qui vous a intéressé particulièrement? Ouais, ça prend des éléments de base pour le succès. Un stationnement aussi. un grand local bien situé aussi. Ça prend un propriétaire immobilier qui veut aussi investir aussi dans la structure, puis aménager
aménager les locales, comme ici, ils ont fait un marché ouais, des promenades. Il y avait une convergence d'intérêts. Ouais. Là. Fait qu'en avril, dans ce projet-là, ça fait très bien. Premièrement, en 2018, quand on a ouvert à Laval, les promoteurs sont venus nous voir à Laval. Ils ont vraiment aimé le concept. Et c'est à partir de 2018 que le projet a commencé à germer dans notre tête, puis que les discussions ont commencé pour Saint-Bruno. Okay. Puis là, c'est la réalisation aujourd'hui, après 3 ans d'en avoir discuté, aujourd'hui, Saint-Bruno voit le jour. Puis une question plus générale, qu'est-ce qu'on retrouve dans les supermarchés à Avril? Il y a de la nourriture, des produits beauté, y a-t-il autre chose? Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos supermarchés? Il y a pas mal de tout. Hein. Mm-hmm. On fait son marché au complet. Ah oui? Bon. On fait son marché, mais notre particularité, c'est qu'on a une cuisine qui fait beaucoup de produits de prêt-à-manger. Mm-hmm. C'est fait nous-mêmes, là, c'est pas sous-traité. Là. C'est nos chefs qui cuisinent de A à Z nos produits. Là. C'est tous des produits bio que vous vendez ou presque? C'est bio et naturel. Bio et naturel. Quand on peut bio, on privilégie le bio, mais c'est naturel. Autant dans la nourriture que les produits de beauté. Partout sur nos tablettes. C'est sûr qu'on retrouve tout chez nous comme dans un supermarché conventionnel. Il y a de tout, même plus, parce que j'ai une pharmacie naturelle, comme des produits de santé naturelle, des vitamines, des minéraux, de la phytothérapie, par les plantes, l'aromathérapie, l'homéopathie. On retrouve absolument de tout. Puis notre particularité, c'est qu'on accompagne le client. Le client se présente, il peut demander des conseils, des informations à une personne bien formée et on accompagne le client. Puis on a, en plus d'un supermarché conventionnel, le côté cosmétique bio et naturel. Là aussi, on a des experts pour accompagner et conseiller le client dans sa recherche de produits. Vous mentionnez que vous encouragez des produits locaux. Locaux, c'est au Québec ou c'est dans Montérégie ou... C'est quoi pour vous des produits locaux? Bien, locaux, c'est au Québec, okay. Parce qu'on est établi au Québec dans différents points de vente à travers le Québec. Mais chaque magasin a quand même ses particularités. Si à Saint-Bruno, un fournisseur communique avec nous pour nous proposer des bleuets ou une culture particulière, bien oui, on va l'encourager. En autant qu'il respecte vos normes. Oui, il faut que le bio soit respecté, ouais. Surtout dans les fruits et légumes où on exige que ça soit que du bio. Vous mentionnez que vous voulez encourager les saines habitudes de vie, etc. Comment ça s'inscrit au niveau de votre commerce, mais au niveau des communautés dans lesquelles vous êtes? Ben, Roland, tu peux expliquer comment on bâtit nos magasins là, pour le côté écologique? Oui, on pourrait dire qu'on est éco-responsable par rapport à notre construction. Ici, dans la récupération de chaleur, on est pratiquement autonome à 100%. Surtout pour l'hiver. L'hiver, je pense qu'on récupère toute la chaleur qu'on a besoin pour le magasin. Vous récupérez comment? Avec nos compresseurs, les échangeurs de chaleur. Ah, OK, oui, oui. Au lieu d'envoyer la chaleur dehors, on la récupère. Aujourd'hui, c'est des systèmes assez sophistiqués. Okay, c'est compliqué, mais ça marche quand c'est même. Efficace. Oui, c'est efficace. Oui. Fait que même on a, pour balancer aussi une épicerie, c'est garder une température sans trop d'humidité, c'est quand même assez compliqué. Il faut chauffer et climatiser les fois en même temps. C'est le contraire. Fait que les deux en même temps, c'est comme une gaspillage d'énergie. Mais vu qu'on a déjà de la chaleur, que nous, au lieu d'envoyer dehors, on la récupère puis on peut garder un niveau d'humidité constant dans le magasin. Oui, merci. Est-ce que vous avez des implications dans les communautés dans lesquelles vous êtes? Par exemple, j'imagine que vous avez des surplus, des fois de nourriture. Est-ce que vous leur donnez à des organismes communautaires comme à Saint-Bruno, il y a des petits bonheurs ou des trucs comme ça? Oui, chaque succursale a leur point de chute pour les aliments, surplus, les surplus, les aliments récupérables qu'on peut redistribuer. Chaque succursale a son contact au niveau local. Parfait. Est-ce que c'est fait à Saint-Bruno déjà? Faudrait... Là, on, oui, a, on, les a, conna...
on arrive là. Ouais. À Saint-Bruno, c'est les petits bonheurs. Ah, les petits bonheurs, bon, ben, c'est sûr que ça va être. Mais en Orient, ils font tout à peu près. Là, ben, est-ce que c'est la même chose pour Longueuil? Parce que Longueuil a déjà son. Non, ben Longueuil, non. C'est autre chose. OK. Bon, ben c'est sûr que ça. Ben, ils ont toujours des moissons longueuil, oui. Mais. En tout cas, c'est différent. On va retenir ça, petit bonheur. On va communiquer ça à notre superviseur. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez installé, à Saint-Bruno, on essaie toujours d'encourager le transport actif. C'est pas off record, mais est-ce que vous allez mettre des supports à vélo, des trucs comme ça? Oh oui, parce qu'ils sont en train de changer. Le marché ouvre dans 2 mois. Fait que, ils sont déjà en train de travailler le terrassement, mais c'est pas fini. Là. Comme ça va être apprécié parce que souvent les gens viennent à Saint-Bruno puis ils vont aux promenades, ils disent on peut pas mettre nos vélos, on peut pas. Oh, oui, on en a partout dans chacun de nos magasins. Oui, c'est super. Oui, il y en a déjà installé un sur le côté. Il va sûrement en avoir d'autres. Ah, OK. Bien, merci. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres choses que vous aimeriez rajouter? Je sais pas. Ben, c'est un gros projet, là, quand même, spécial avec le marché des promenades. Là. C'est sûr qu'on arrive le premier, puis dans 2 mois, il va y avoir beaucoup d'activités autour de ça. Oui. Je pense que ça va être c'est unique comme projet. Je ne connais pas d'autres projets comme ça au Québec. Là. Non, c'est ça. C'est une grosse superficie, en 41 000 pieds carrés à peu près. Ici, ben oui, nous, juste notre magasin. Juste le magasin. Ah, ouais. Avec tous les commerçants qui sont à côté, les kiosques. C'est tous des artisans locaux. Oui, oui, oui. C'est un beau projet. Là. Ouais. Effectivement, il y a une synergie. Intéressante. C'est vraiment. Un beau concept. Oui, je pense que c'est dans l'intérêt aussi des super. Des centres commerciaux de se renouveler aussi, parce que la réalité commerciale a changé. Fait que les gens apprécient des commerces de proximité, des petits commerces, des choses. Puis ici, ça correspond tout à fait à la vision qu'avaient les promenades. Ben, juste ce matin, à voir les clients qui rentrent, comment ils sont contents. C'est déjà. Oui, c'est satisfaisant, là. Ouais. Ben, comme je disais tantôt, aussi à Saint-Bruno, il y a quand même un engouement quand même pour les produits naturels, tout ça, là. Fait que je pense que les Montarvillois vont vous accueillir déjà là, à bras ouverts. Ça correspond vraiment à un besoin, là. Déjà dans les médias sociaux, là, les commentaires sont plus que positifs par rapport à votre arrivée. Bon, oui, il y avait une cliente qui... Ben, là, j'allais à Brossard, là, j'allais au gars. Elle restait 10 minutes à côté. C'est sûr que là, elle est super contente. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour l'entrevue. Déjà, on a fait un petit bout de chemin tantôt, là, en se promenant dans votre supermarché. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir.